Bienvenue sur un nouveau test indé et un test spécial puisque ce n'est pas avec Delimar, c'est pour moi. J'ai reçu la clé, merci à l'éditeur All In Games, le jeu Space Cause. Donc du coup j'ai des copains qui sont sur Discord, bonsoir les copains. Vous avez le droit de dire coucou. Nous avons un petit Papa Blatter, nous avons un petit Nice, nous avons Vert de Yen qui ne peut pas parler, ni Sarah du 37. Et je vais vous montrer un jeu qui est donc disponible sur PC et sur Steam au prix de 10,79€, dispo depuis 5 septembre. Alors ce jeu c'est quoi? C'est un shoot'em up déjanté où le mec va se défendre avec une ventouse pour récupérer ses vaches, tout simplement. Ça se joue au PC et également, que je dis pas de bêtises, en manette complètement. Alors par contre j'ai peur des commandes, excusez-moi je vais basculer vite fait en anglais. Voilà, hop c'est fait, et ben un petit œil sur les commandes. Oh joli les petits bruitages. Ah oui, se déplacer, la barre espace c'est pour dasher, la touche shift majuscule c'est pour attraper les meumeux. La touche A pour nous, pas Q pour les anglais, mais bon, c'est rage. Je m'en suis pas servi, échappe pause, tirer et ralenti, bouton droit de la souris. Ralenti, on verra. C'est un Matrix mode? Oui, un Matrix Co. Matrix me. Alors, on va jouer comme du beurre, en normal ou en vachement dur? Oula. 3 vies en normal, 300 points lactiques plus une vie, pas de points de sauvegarde. 4 vies, 200 points lactiques plus une vie, point de sauvegarde autorisé, ennemi plus lent. Franchement, on va faire comme dans du beurre. Cherchez pas, vous allez voir le jeu ce que c'est. On est parti pour une demi-heure de plaisir. Il faut appuyer sur touche entrée. Ah oui, si je fais entrer comme ça. Oh, une demi-heure de paix surtout. Voilà. Allez, je vous laisse admirer l'introduction. Et si les copains en ont marre, on va zapper. Je vous laisse lire. On a compris, le fermier il aime bien sa vache Betsy. Hein. Voilà, ils ont été kidnappés et il faut sauver sa meumeu contre les méchants meutants. Et il est armé d'une simple ventouse, incroyable. Oh. Mutants, mutants everywhere. Et ben voilà, le fermier il est déguisé en... Non, il est en slip, c'est dégueulasse. Alors... On peut donc se déplacer, je ramasse des perles de lait. Et si vous regardez autour de moi, il y a un trait bleu avec le point rose, en fait c'est ma souris. Alors la différence par rapport à la Nintendo Switch, je pense que c'est moins maniable à la souris. Faudrait que je teste avec la manette. Et il avance, je me demande s'il est pas en train de péter pour avancer. Oh non. Ah si. Ah bah si en fait. Ah si. Alors on est parti sur le mode tutoriel, tu ramasses, ok. Dasher. Ouch. Ah ok, si je dash pas, je perds la vie. Le super paix. Ça c'est du jeu hein. Alors j'espère que Papa le Batteur Junior regarde. Enfin non, il peut pas, le pauvre il tard. Non. Eh ouais, eh ouais. Alors, est-ce qu'on peut... On peut pas? Alors je peux le traîner avec la touche... d'accord. La touche majuscule et sinon je peux tirer. Voilà. Alors les ventouses, c'est pas du tout comme une traillette hein, je tire une fois. Voilà. On est passé. C'est quoi le truc là, à votre avis? Ça ressemble à un truc bizarre, on est d'accord. Hein. Sans commentaire. On sent qu'il y a une pointe d'humour. Nous avons des sortes de champignons phalloïques. Voilà. Tout se passe bien pour l'instant, c'est comme dans Mission Impossible. Oui, checkpoint, sauvegarde. Attention là. Ah bah. Ok, j'ai été carrément cramé par ce truc. Alors, j'étais pas dans le profil, excuse-moi. Clac, clac, et en haut. Alors, c'est pas évident à viser. Hein. Là, le mode ralenti. Ok, j'ai peut-être un truc à faire en bas avant. Super paix. Super dash. Voilà, eh ben voilà une vache. Ah, des ennemis. Alors on va le capturer avec Shift. Je trouve que le tuto déjà, il est vachement bien. Et on l'a capturé dans une bulle d'air. Allez. Oh yeah. Qu'est-ce que tu lui fais à la vache là-dedans? Apparemment j'ai gagné un jeu bonus. Je peux presser le lait. T'es en train de voir le pic qui crache, hein? Ok, bouton gauche, bouton droite. C'est parti. C'est parti.
Ah. Oui. D'accord. Faut pas que je me trompe. Attention, je vais essayer d'aller plus vite. Bien. Ça vous plaît comme jeu, hein? Pour l'instant, c'est toi qui as l'air de bien t'amuser. En fait. Ah, quand je fais des trucs marrants bêtes, c'est pas des jeux que je ferai à long terme, ça, c'est clair. Ah, j'ai fait 40 sur 50. Ok. Et toutes les perles de lait qu'on a eues, ça nous fait nos scores, on les a rendues. Très bien. Est-ce que c'est un jeu qui vous amuserait, vous, sur console, ça? Bah, écoute, non, honnêtement. Ça coûte pour du prix, hein. 10 euros. Ouais. Ouais, en plus, il est trouvable à 7 euros à peu près. Ouais, ça peut servir. Je sais pas. J'aime bien les shoot'em up, donc ça, c'est classé en shoot'em up déjanté, faut voir. Hein. Mm. Alors, le ralenti, bouton droit. Oh, Matrix, ah oui. Ah oui, quand même. Oh. Putain, mais ce jeu, budget quoi, il a su. Ah d'ailleurs pour le... C'est prêt, ils sont ralentis. Et là tu vas voir la qualité youtubeur. La durée du ralenti, eh ben regarde Billy, regarde comme dit Bob Lennon, en haut à gauche, le chrono. Oui, la ventouse. Et voilà. Et ça se recharge. Et là vous avez aimé l'effet, hein. Motrix. Alors pourquoi il y a eu le ralenti? Parce que... Je vise comme ça. Ah. Voilà! Sans me faire tuer, mais il y en a partout! Je vise très mal. On passe. Ah! Je vous raconte pas. Ah oui, j'ai détruit qu'un seul mutant à la fois. J'ai réussi! Bon, bah, je suis pas si nul, les copains. Spaceco, jusqu'où vas-tu aller? Ok, je tire pas très vite, hein. je vais en mode détente, on découvre pour voir. Et j'ai un problème. C'est bon. J'ai quitté, j'ai fait effet double écran, excusez-moi, et voilà, on est revenu. Du lait. Il se passe quelque chose. Ok, avec le ralenti à fond, ça le fait. Il y a une brique de lait, les copains. Alors je sais pas ce que c'est la barre en haut là. Ah, oh, c'est d'accord. Par contre, je suis mort. D'accord. Non, je suis pas d'accord. C'est quoi ce jeu? Oh non, ils me font pas recommencer par contre. Si, il faut revenir au point de sauvegarde. Mince. Là par contre, c'est un peu lourd. S'il faut tout refaire comme ça. Alors je suppose qu'en Nintendo Switch par contre, bon bah t'y vas à l'aise quoi. Je vais me mute. Bon, allez on reprend. Oui, sur les deux, sur la console aussi. Allez on recommence. Voilà. Et là on recommence ce que j'aime. Ah. Le jeu serait à 5 euros, je craque. À 10, bon, on a la qualité visuelle quand même, mais faut aimer le genre, quoi. Allez, c'est reparti. Super pétou. Alors voilà, le problème des ventouses, par contre, si tu tires trop vite, t'en as plus en réserve. C'est pour ça que je suis mort aussi tout à l'heure. Doulouloulou. Le problème sur Switch, c'est qu'ils mettent les jeux à 70€. Ah oui, tiens. À 70€. Donc ça vaut mieux de l'avoir sur PC que la manette, quoi. À la limite. T'es à la manette là? Non, je suis au clavier là. C'est pour ça que je vais plus doucement parce que je galère en fait. Ouch. Ah oui, mais par contre là je suis pas d'accord. En fait, ce qu'il faut c'est penser à dasher. Ah non, je suis mort. Bon, je suis vraiment nul, hein, je crois. On va faire une ellipse, on va brancher la manette pour voir parce qu'au clavier c'est impossible. Ouais. On est revenu sur la manette. Je suis pas allé aussi loin. Alors petit point là-dessus pour expliquer. Les sticks ne marchent pas. Les sticks c'est juste ok, c'est pour l'orientation, le stick de droit. Mais pour bouger, c'est le petit paddle. Après les gâchettes, on peut tirer ou faire le ralenti. Alors s'il faut faire en plus, je trouve ça encore moins jouable que de jouer au clavier, honnêtement.
Donc du coup, on va continuer au clavier. On va essayer de reprendre. Et voilà. Point de sauvegarde. Et une micro... micro-ellipse, je remets en clavier anglais. Et on continue. Bon. Le problème, c'est ce boss, c'est ce truc-là. Il faut que je dash, en fait. Et je suis mort dans les miasmes verts du temps. On se donne un dernier try, les amis. Et en plus, on est dans le mode facile. Hein. Ça fait peur. Ah ouais, en PC, c'est quand même bien mieux. Voilà. Ok. On va passer la vache, on s'en fiche. On a déjà vu, on va progresser dans l'histoire. Alors, il y a une barre de charge, je vois, quand je tue les mutants. Les mutants. Le ralenti, ok. On est parti. Et nous, on veut passer. Ils m'ont tué. Alors, le truc, c'est qu'on est bloqué dans la salle. Ok. Et j'ai passé. Bon, on va pouvoir avancer dans le test. Allez, on va tout ça. Si on pouvait finir le premier tableau, ça serait cool. Hop, hop. Et briques de lait. Et non. Voilà, et de 1. Donc il faut à la fois... dasher. Oh la vache. Et ne me dis pas que je suis morte. Ah, allez, je vais essayer d'avancer en off et on se retrouve pour aller plus loin. Allez, troisième essai et dernier essai avant la critique du jeu. Même si on n'est pas allé très loin et on va comprendre pourquoi. On va essayer de survivre déjà. C'est vrai, j'aurais bien voulu finir un tableau quand même. C'est pas faute d'eux. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, là, c'est pas trop... Voilà. Je l'ai eu. C'est bon. Il faut se caler dans un coin. Et on est passé. Bon, on va peut-être pouvoir aller plus loin, voir ce qu'il y a d'intéressant. Voilà. De toute façon, il faut chauffer un petit peu et mieux viser. On y va en douceur. On a quoi au-dessus? On a du monde. D'accord. C'est bizarre, ça. Non, c'est la déco. Ok, donc si on se recule, ça aligne et on les poutre. Ça marche. Ça va pas me faire tuer. Alors le bouton rage. Je l'ai trouvé. Oh là 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 là. Ok. On va attendre que ça passe. Je commence à être moins nul. Et là, on se fait aspirer par des ondes. Oh la vache. Et on est passé. On est passé. J'ai entendu... Allez, on peut y aller avec le dash. Et oui, encore une vache. Deuxième jeu peut-être. C'est cool. Et c'est dans la boîte. C'est toujours le côté lactose. Allez, on réfléchit pas, on va exploser les scores, on va essayer d'aller plus vite. Hop, 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 hop. Hop.
Bon bah ça va. On a le coup là. Clac, 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 clac. Et non, me. I'm fantastic. J'étais presque au score. Bon. J'espère qu'on va voir quelque chose de plus. Et on gagne encore des points, on remplit le lactose. Allez, on descend. Et nouvelle pièce. Point de sauvegarde. Donc ça reste gérable. Une fois qu'on est chaud, on est bon. Ok. On est dans un ascenseur. Ok. L'ascenseur se tourne. Oh, c'est pas mal. Et des lasers en plus. Oh, que c'est bien. Ça commence à se corser. Oh, punaise. Attention, attention. Hop. Là, je me défends mieux là quand même. Je l'ai eu. On passe. Allez, on prend le lactose. Je me demande s'il y a un bonus de fin à chaque niveau. Je suis mort. Voilà, déjà. Alors, il y a des briques qui descendent. Et les ventouses, on voit que ça tire de loin, donc on peut les poutrer de loin. Ça, c'est bon point. Ok. Wow. Et je l'ai eu aussi. Bon. On dirait que le Tekamon ne veut pas mourir. On va pousser encore plus. Oui. Ça c'est pas fun. Je suis passé. En fait, une fois que t'es bon, je les éclate tout de suite, c'est l'enfer. Et je suis passé. Incroyable. Allez. En fait, je voudrais vraiment voir quelque chose en plus, là. Nous sommes dans le vaisseau lactite, on comprend, on est dans la tuyauterie. Est-ce qu'on aura un changement de thème si on passe au niveau? Alors, le mode rage. Ouah, c'est donc ça. J'ai passé la barre. C'est cool. Ça a tout explosé, ça c'est pas mal. Allez, on continue. Je suis en train de charger ma barre pour le mode rage. On va le tester après. Aïe. Bon, j'y rien sur les ventouses, j'avais peur au début, mais ça fait. Ça le fait, ça se recharge vite. Le mode rage est chargé. On va le faire à la première fenêtre possible. Vache. Ok. Après, comme on le dit, chacun pour ses goûts, hein, mais je m'amuse comme un petit fou, donc ça va. Mais je suis comme je suis, Papa le Bator. Non, mais le principal, c'est que tu t'amuses. Voilà. Alors, c'est vraiment dans le genre, mais quand tu commences à maîtriser, c'est ça le truc. Au départ, j'étais froid, t'as la rage, tu sais mieux gérer tes tirs de ventouse. C'est fun, c'est un bon shoot'em up de ce côté-là. Le thème est respecté des vaches, le lait est là. Alors ça me rappelle un truc, le graphisme. Je sais pas si tu connais ou si vous connaissez les Zinzins de l'espace. Quand on voit ces jaquettes là de présentation, c'est un petit peu ça. Voilà, donc vous avez mon avis. Personnellement, je m'amuse. Si c'est votre genre, pourquoi pas. Vous avez le prix moins de 11€. En manette, j'ai eu beaucoup de mal parce que je n'ai pas l'habitude. C'est peut-être pour ça. Sur PC, une fois qu'habitué à la souris, ça se passe très très bien. Et je ne connais pas par contre le prix sur Nintendo Switch, mais c'est à vous de voir. Allez, c'était Tekamon dans Space Corps pour petit test découverte. Si vous en voulez plus, on en reparle. Et moi, je suis mort. Allez, c'est la fin du test.
bye bye tout le monde et à la prochaine aventure. Tchuss. Bonsoir les amis.